enfant. Bah, on dit s'il te plaît déjà, quand on est poli. Pas quand c'est un ordre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est la photo de ton père, là. Ça me bloque, j'ai l'impression qu'il nous surveille. Oh, arrête, t'es complètement parano, là. Il a découpé ma tête de toutes les photos de famille, je te rappelle. Hein. Oh, continue comme ça, mon chéri, j'adore quand tu me parles de mon père comme ça. C'était quoi, ça? Ça vient du salon. Eh, vous êtes qui, vous? Parlez-vous, j'appelle les flics, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. Bien au contraire. Je m'appelle Marcus et je viens du futur. De l'an 2047, exactement. Ouais, c'est ça, et moi je m'appelle Nolwenn Leroy et je viens du Finistère. De Plouinec, pour être plus exact. Je sais que tout ça a l'air fou, mais je vous prie de me croire. De là où je viens, on a inventé le voyage spatio-temporel. Et grâce à cette nouvelle technologie, on peut améliorer le monde en modifiant le passé. Ok, modifier le passé, très bien, mais pourquoi chez nous et pourquoi tout nu? Ah oui, je suis désolé, ça, c'est parce que la technologie, elle est pas encore au point. Et il fait froid pendant les voyages spatio-temporels ou comment ça se passe? Bon bref, si je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est pour vous empêcher de commettre l'irréparable. Effectivement, vous êtes sur le point de concevoir un enfant. C'est vrai? C'est génial, c'est exactement ce qu'on voulait. Ça fait des mois qu'on en parle. Je comprends votre enthousiasme, mais malheureusement, votre enfant ne sera pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que... il aura pas la lumière à tous les étages. Je suis désolé, je comprends toujours pas. Ouais, il sera con, quoi. Il va être très très con, même. Non, enfin, je veux dire, rien n'est écrit dans la vie, donc c'est pas du tout sûr, d'accord? Ouais, et puis on va très bien l'éduquer, donc... Bah oui, je le sais que vous allez bien l'éduquer. Vous allez même l'envoyer dans la meilleure école. Coût total de l'opération, 153 000 euros. Mais non, mais il y a aucune école qui coûte aussi cher. Disons que votre fils va prendre son temps. Regardez cette photo de classe. Le grand dans le fond avec la moustache, c'est pas le professeur, c'est votre fils. Ouais, enfin, vous savez, il y a des gens qui sont nuls à l'école, mais après, ça se passe très bien. On pourra peut-être en faire un, je sais pas moi, un artiste par exemple, un... Un grand chanteur? Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Oui, je le sais, pour tout vous dire, c'est pas la première fois que je viens vous voir. Et vous avez déjà essayé. Alors effectivement, il va sortir un single, mais je vous laisse juger par vous-même. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton cœur... Attends, c'est une reprise de Céline Dion, ça? Oui, c'est en version ragamuffin. C'est juste insupportable. Ah, et c'est pas tout, hein, parce que pour faire la promotion de son triple album, il va essayer de faire de la télé-réalité. Ben, il va pas réussir, parce qu'il est tellement con, il passera pas les phases de casting. Attendez, il peut pas être plus con que Christopher des Ch'tis à Ibiza. Ah, non. Christopher des Ch'tis à Ibiza à côté, c'est du Baudelaire. Bon, vous savez quoi? Dans ce cas, on supprime la télé. Ouais. Voilà, c'est fini. Oui, très bien. Et ben, il va passer ses journées dehors, et on lui achètera un animal de compagnie, comme par exemple... Un chien? Oui, c'est encore une fois exactement ce que j'allais dire. On a déjà eu cette conversation, c'est ça? Bah, non, en fait, c'est parce que c'est évident. C'est rarement une huître ou une mouche. Marcus, ouais, ok. Bon, et c'est quoi le problème avec le chien, là? Et le problème, c'est que votre enfant sera le premier homme à avoir des enfants avec un canidé. Oh mon Dieu. Ouais, c'est dégueulasse. Et ça va faire scandale, hein. Vous perdrez tous vos amis avec ça. Bon, vous savez quoi? Pas de télé, pas de chant, pas d'animaux. Paf! Et il fera que du sport. Ouais, voilà. On va en faire un sportif célèbre. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2042, il va réussir à foutre le feu à tout le stade en faisant tomber la flamme. Résultat, 53 000 morts. Voilà. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur nous. En réalité, il s'agit pas de vous, Nathalie. Mais de Paul. Quoi? J'ai fait quoi, moi? Vos spermatozoïdes comportent le gène NN. NN? Oui, NN, comme neuneu. Non mais attendez, il y a une solution. Enfin, je veux dire, on peut adopter un enfant, il y aura plus de problèmes d'imbécilité, et comme ça, ce sera réglé. Nathalie, le seul futur dans lequel vous êtes heureuse, c'est celui qui commencera maintenant. Voilà, quand Paul s'en ira. Ça veut dire qu'on doit se séparer, ça? Je suis désolé, c'est inévitable. Vos couilles sont de vraies bombes à retardement, Paul. Nathalie, je sais à quel point tu vas avoir des enfants, et je veux pas être responsable de ton malheur. Je vais partir. Je t'aimerai toujours. Non mais Paul, regarde! Alors on avait dit 500 pour la prestation, 100 pour l'appareil de fumée et 200 pour les effets de lumière. En tout cas, c'était du très bon boulot. Ma fille ne sera plus jamais avec lui après ça. À bientôt. À bientôt. Yo, on espère que t'as kiffé cette vidéo. Si tu vois Raphaël entièrement nu en train de se caresser sur du Céline Dion en mode ragamuffin, bah c'est pas dans le making-of. Mais il est quand même disponible en cliquant ici. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Hollywood. Allez, à la semaine prochaine.